Alors, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, bonne rentrée à toutes et à tous après ces vacances d'été. Donc, depuis l'Institut français, voilà, nous avons repris nos activités depuis déjà quelques jours. Et aujourd'hui, nous vous reproposons, dans la continuité des lectures confinées que nous avions mises en place avec Lola Casamayor et Nathalie Pinault à partir du mois de juin, nous avons décidé, suite au succès, et suite à la qualité de ces propositions, voilà, d'en refaire jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, nous recommençons notre programmation culturelle à l'IF Madrid et l'Institut français d'Espagne avec cette nouvelle lecture confinée aujourd'hui, donc avec Nathalie Pinault qui nous lira des extraits, des fragments de l'œuvre de Matěj Wisniewski, La femme comme champ de bataille. Donc le processus, vous le connaissez, hein, donc actuation de Nathalie Pinault. Puis ensuite, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Matěj Wisniewski, qui doit m'écouter à l'heure actuelle, qui participera à la suite des lectures de Nathalie et qui pourra répondre à toutes les questions de nos auditeurs, donc des personnes qui sont actuellement connectées. Donc la lecture se fait en français, vous êtes maintenant un peu habitué. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions, même enfin, peut-être pas forcément pendant l'actuation, mais après l'actuation, dans le chat qui est en bas de la page. Voilà, moi je vous retrouve après les lectures de Nathalie Pinault, donc les fragments de La femme comme champ de bataille de Matěj Wisniewski. Voilà, à tout à l'heure. La femme comme champ de bataille, ou du sexe de la femme comme champ de bataille dans la guerre en Bosnie. Kate lit des fragments de son journal. Dans les guerres interethniques, le sexe de la femme devient un champ de bataille. On a vu ça en Europe à la fin du XXe siècle. Le pénis du nouveau guerrier est trempé dans le cri des femmes violées, comme autrefois le couteau du chevalier dans le sang de son adversaire. Hôpital de Slavonski Brod, Croatie, mai 1994. Bonjour Dora, c'est moi, Kate. Il fait très beau aujourd'hui. Il y a des gens qui se promènent dans le jardin. Si vous voulez sortir dans le jardin, je vous accompagne. Je ne vous demande pas de me répondre. Mais si vous voulez sortir, vous pouvez y aller toute seule si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Je vais ouvrir une fenêtre. Vous sentez le printemps? Fiche d'observation numéro 1. Le sujet souffre d'une névrose traumatique. La cause de cette névrose traumatique est le viol que le sujet a subi il y a environ 2 semaines. Apparemment, il n'y a pas eu de lésion neurologique. État du sujet, confusion mentale, prostration, paralysie traumatique. Le sujet ne répond pas aux stimulations du monde extérieur. Du fait qu'il s'acharne à ne pas répondre à mes questions, je déduis qu'il comprend tout ce que je lui dis. Dora, à genoux, comme si elle faisait une prière, à voix basse. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Non, ne me dis pas que le temps guérit tout. Je ne crois pas que le temps peut tout guérir.
Le temps ne peut guérir que les blessures guérissables. C'est tout. Le temps ne peut faire que ce qu'il peut faire. Et rien de plus. Non, Seigneur. Tu ne peux pas nous défendre de celui qui est méchant. Non, Seigneur. Tu ne peux pas nous donner le pain de tous les jours. Non, Seigneur. Tu ne peux pas nous pardonner. Car on ne te demande pas pardon. Car nous, on ne peut pas te pardonner. Non, Seigneur. Ta volonté, on ne l'accepte pas. Car ta volonté, c'est le sang et le feu et la folie. Non, Seigneur. Tu n'es pas notre vérité, car la vérité, on l'a tuée. Car la vérité, on l'a enterrée avec le ciel qui n'existe plus, lui non plus. Car ta maison, Seigneur, elle est maintenant la maison des morts. Oui. Non, Seigneur. Les méchants ne seront jamais punis. Et ce sont eux qui domineront le monde. Non, Seigneur. Il n'y a pas de victoire du bien sur le mal, du faible sur le puissant, du pauvre sur le riche, du croyant sur le non-croyant, de la vie sur la mort, de la beauté sur la laideur. Non, Seigneur, je ne peux pas te raconter ma souffrance. Non, je ne crois pas qu'on peut tout raconter. Je ne crois pas qu'on peut tout comprendre. Je ne crois pas qu'il y a un sens dans tout ce qu'on raconte. Je ne crois pas qu'il y a un sens dans ce que je dis. Fiche d'observation numéro 2. Le sujet souffre d'une altération du moi. Le sujet trouve refuge dans le silence et oppose une véritable résistance à toute tentative extérieure de communication. Ce montage comportemental n'est qu'un mécanisme de défense. Toute tentative d'entrer en communication avec lui est perçue par le sujet comme une agression. Pour le sujet, le viol continue. Le nouveau guerrier des Balkans viole la femme de son ennemi ethnique pour donner ainsi le coup de grâce à son ennemi ethnique. Le sexe de la femme de son ennemi ethnique devient un champ de bataille à part entière. Nulle part ailleurs, la haine ethnique ne se manifeste d'une façon plus forte que sur ce nouveau champ de bataille. Le nouveau guerrier ne s'y expose pas aux balles, aux obus, aux chars. Il ne s'expose qu'aux cris des femmes. Mais ça ne fait qu'accroître sa volonté de servir sa patrie en allant jusqu'au bout. Le nouveau champ de bataille du nouveau guerrier, le sexe de la femme de son ancien voisin, le sexe de la femme de son ancien camarade d'école, le sexe de la femme de son proche qu'il a dû appeler frère pendant presque un demi-siècle. La force qui oblige les ethnies à fraterniser, bombe à retardement. C'est la vraie poudrière des Balkans. D'où cette longue frustration nationale, la revanche freudienne des peuples qui n'ont jamais eu de pays. Le sexe de la femme comme champ de bataille, les combattants s'y lancent pour se donner en quelque sorte le coup de grâce. De nos jours, dans les guerres ethniques, le viol est une forme de blitzkrieg. Rien ne peut déstabiliser d'une manière plus efficace l'ennemi ethnique que lorsqu'on viole sa femme. Plus de la moitié des femmes violées dans le contexte des guerres interethniques sont victimes d'agresseurs qu'elles connaissent ou qu'elles ont croisés souvent dans un périmètre de moins de 60 km. Environ la moitié des femmes que nous avons pu questionner déclarent que les hommes qui les ont violées sont des habitants du même village ou des villages voisins. Presque un quart des femmes que nous avons questionnées sont capables de donner le nom ou les noms de leur agresseur. Il paraît que beaucoup de femmes mariées à des hommes d'une autre ethnie que la leur ont été violées par des agresseurs de la même ethnie qu'elles pour être ainsi punies d'avoir fait un mariage mixte. Pour le nouveau guerrier, le viol de la femme de son ennemi ethnique a le goût de la victoire totale sur son adversaire. Dans les guerres interethniques, le sexe de la femme incarne la résistance. Le nouveau guerrier viole pour briser cette résistance. Il croit donner ainsi le coup de grâce à son adversaire. Après avoir mis à l'abri sa femme, sa fille, sa mère, sa sœur,
Le combattant se lance dans la poursuite de la femme, de la fille, de la mère, de la sœur, de l'adversaire. Très souvent, le nouveau guerrier ne cherche pas le face-à-face avec son ennemi juré, membre d'une autre ethnie. Avant ce face-à-face, le guerrier interethnique espère pouvoir détruire les sources de vitalité de son adversaire. Et ces sources-là, il les connaît. Car il a été le voisin de son ennemi. Il a travaillé dans le même lieu que son ennemi. Il a été très souvent invité dans la maison de son ennemi. Il connaît tous les membres de la famille de son ennemi. Il connaît les coutumes de son ennemi. Bref, son ennemi étant son frère, le guerrier sait que les femmes qui entourent son ennemi sont à la fois sa source de vitalité et son poids le plus faible. Les combattants ne violent pas par plaisir sauvage ou à cause de la frustration sexuelle. Le viol est une forme de stratégie militaire pour démoraliser l'ennemi. Le viol a, dans le cas concret des guerres interethniques en Europe, le même but que la destruction des maisons de l'ennemi, des églises ou des lieux de culte de l'ennemi, de ses vestiges culturels et de ses valeurs. Merci. Bonjour Dora, c'est moi, Kate. On a allumé un grand feu dans la cheminée du salon. Vous voulez descendre dans le salon ? Si vous voulez descendre dans le salon, sachez que vous êtes bienvenue. Vous aimez le feu ? C'est beau le feu dans la cheminée. Nous sommes tous là. Descendez si vous voulez. Ou si vous voulez que je reste avec vous, dites-le. Vous avez une sonnette ici, Dora. Si vous voulez que je monte et que je reste avec vous, sonnez, d'accord ? Je sais que vous m'entendez. Je ne suis pas un médecin, Dora. Je ne vous parle pas en tant que médecin. Je ne suis pas ici pour vous forcer à guérir. Je suis ici parce que j'ai besoin de vous. Au revoir, Dora. Les balcons, c'est comme ça. Une poudrière sentimentale. Dans les balcons, on sait boire. Tiens, on s'est pas vu depuis 3 semaines. Ça fait long. Ça fait insupportable. Allons boire un coup. Et on boit jusqu'au petit matin. Parce que dans les balcons, lorsqu'on est copains, on ne supporte pas de ne pas se voir pendant 3 semaines. Tout prétexte est bon pour picoler jusqu'à 5h du matin. Je n'ai pas vu depuis 1 semaine. Oh là là, ça fait long. Allons boire un coup. Et on boit jusqu'à minuit. Pour que la séparation de 2 amis soit supportable. On doit boire un peu tous les jours. Ça oui, si on boit tous les jours après le boulot, entre 6h et 10h du soir, ça peut aller. On peut ensuite rentrer chez soi, passer un petit quart d'heure avec les gosses. Ou avec sa femme. Qui elle n'est qu'une pondeuse de gosses. Elle ne sait qu'engueuler son mari dès qu'il se pointe à la maison. C'est pour ça d'ailleurs que le mari rentre tard et repart tôt. Le matin, il a la gueule de bois. C'est alors pour elle le meilleur moment pour l'engueuler. Le soir, elle n'ose pas tout dire. Le soir, le sens de l'honneur est très fort chez les hommes des balcons. Le soir, si elle presse trop sur l'accélérateur de l'engueulade, il se fâche et se tape encore un verre. Ou deux, ou trois. Le soir, après avoir bu avec ses copains, l'homme des balcons devient brusquement malheureux. Son âme est blessée. Les grandes questions métaphysiques se mettent à le hanter, à le torturer. Tu ne comprends rien à l'histoire, ma poule. Non, elle ne comprend rien. Elle ne comprend pas que son mec soit frappé par un spleen ancestral. Elle ne comprend pas que son mec se pose brusquement la question du sens de l'existence. D'où on vient? Où on va? Putain, le monde, ça manque de sens. Le soir, après avoir vidé quelques dizaines de bouteilles de bière d'un demi-litre avec ses copains, l'homme des balcons est désespéré à cause de la fragilité sémantique du langage.
Il pisse et il pleure. Il pisse les larmes de l'anxiété, de la douleur axiologique, de l'impuissance de l'espèce humaine devant le grand mystère cosmique. Il va aussi vomir, mais plus tard, vers 3 heures du matin, quand sa douleur de tête deviendra insupportable à cause de ces connards qui font de la bière avec du malt pourri. Dans le commerce, il n'y a que des voleurs et des bandits. Pour boire une bonne bière, il faut qu'elle soit étrangère. Et même alors, il faut bien vérifier que les étiquettes n'ont pas été falsifiées. Car tous les produits sont falsifiés de nos jours. C'est pour ça que ce pays ne s'en sortira jamais. Parce qu'on est tous des voleurs et des falsificateurs. On a falsifié notre histoire. On a falsifié notre avenir. On n'a aucune chance. On a perdu le dernier train. On est les clochards de l'Europe. On est une nation de tziganes. On ne sait même pas quelle est notre origine. On n'a jamais été libre. On n'a jamais eu un vrai État. On n'a jamais été indépendant. On ne sortira jamais du communisme. Le communisme nous a altérés jusqu'à la moelle. On l'a... À 3 heures du matin, il met sa tête sur la poitrine de sa femme. Il a besoin de sa chaleur. Il a besoin qu'elle le caresse pendant qu'il verse les larmes de son amertume civique, transcendante, cosmique. Il met sa tête sur la poitrine de sa femme. Car cette poitrine, si chaude, si douce, si accueillante, lui rappelle sa mère. Oh, sa mère. Le seul être au monde qu'il a toujours compris, qu'il a toujours aimé, qui a toujours eu confiance en lui. Il cherche dans les bras de sa femme qui l'engueule le nid sécurisant qu'il avait dans les bras de sa mère. Et il saigne dans son âme, parce qu'il n'a pas revu sa mère depuis le mariage de sa sœur, parce que sa mère a vieilli, parce que sa mère est loin, parce que sa mère est morte depuis 2 ans, parce que sa mère est morte depuis 10 ans, parce que sa mère l'a quitté, parce qu'il avait seulement 5 ans. Tu te rends compte, l'enfance que j'ai eue, privée de l'amour maternel à partir de l'âge de 5 ans. Tu te rends compte? Merde, tu ne piges rien, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est que je te remette tout mon salaire le jour de paye et me voilà enfermé à la maison. Oui, à 3 heures du matin, l'homme des Balkans est un être fragile qu'on doit ménager à tout prix. Autrement, son âme risque de se briser en 1000 morceaux. Mais on peut l'engueuler plus tard, lorsqu'il se lève pour aller au boulot, entre 7h et 8h, lorsqu'il se rase au ralenti devant un miroir dans lequel il ne se reconnaît pas. La femme peut enfin lui dire « Regarde-toi, on dirait que ce n'est pas toi. Même toi-même, tu ne te reconnais plus. » Regarde l'état dans lequel tu es. Regarde comment tu es rentré. Regarde ta chemise. Regarde ton pantalon décousu. Regarde ces taches. Pourquoi tu me fais ça? Moi et les gauches, tu t'en fous? Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Avec ses gueules de bois, il a du mal à répondre. Il ne répondra pas. Il restera dans ses vapes, comme dans une boule qui le sépare du monde extérieur. Il va ensuite boire un café noir et très fort, sans rien manger, parce que le matin, lorsqu'on a la gueule de bois, la nourriture ne passe pas. Il va ensuite partir au boulot sans rien dire, sans avoir regardé sa femme, sans avoir trop regardé ses enfants, terriblement mal à l'aise dans la chemise toute propre et fraîchement repassée que sa femme l'a obligé à enfiler. Cette chemise propre qu'il va porter toute la journée sera comme un reproche silencieux de sa femme. Un reproche que sa femme lui a collé à la peau, lourd à porter, impossible à oublier. Une sorte de cage qui lui rappelle à chaque mouvement qu'il est prisonnier à vie et qu'il a plusieurs bouches à nourrir. Dans sa propre bouche.
Vous voulez que je vous raconte comment j'ai été violée? Non, Dora. Mais si. Vous voulez que je vous raconte comment ils m'ont violée? Non, Dora. Je ne veux pas que tu me racontes quoi que ce soit. Mais si. Vous voulez que je vous raconte en détail comment ils m'ont violée? Non, Dora. Je ne veux pas que tu me racontes ça. Mais si, c'est pour votre rapport. Je n'ai aucun rapport à faire, Dora. Mais si, vous faites des rapports pour la clinique de psychiatrie de Boston. Non, Dora. Je ne fais pas des rapports pour la clinique de psychiatrie de Boston. Vous travaillez pour la clinique de psychiatrie de Boston? Vous êtes américaine? Vous vous appelez Kate? Je suis américaine, je m'appelle Kate, mais je ne fais pas de rapport pour la clinique de psychiatrie de Boston. Ils étaient 5. Je ne veux rien savoir, Dora. Vous venez de Boston? Oui. Ils étaient 5. Je ne veux rien savoir, Dora. Vous habitez Boston? Vous allez retourner bientôt à Boston? Oui, j'habite Boston, mais je ne veux pas retourner bientôt à Boston. Ils étaient 5. Mais je ne sais pas s'ils étaient musulmans, croates ou serbes. Vous savez, en Bosnie, on parle tous le serbo-croate. Il faut que je parte maintenant, Dora. Il faut noter là, dans votre rapport, que je ne sais pas s'ils étaient musulmans, croates ou serbes. Au revoir, Dora. Tu peux m'appeler quand tu veux. Retournez chez vous, Kate. Retournez chez vous. Fiche d'observation numéro 4. Le sujet est sorti brusquement de son état de prostration. Cela ne veut pas dire qu'il va mieux. Il règle son compte avec le monde par l'agressivité. Il faut absolument que quelqu'un soit toujours à côté de lui pour lui absorber son énergie négative. Pour ouvrir un charnier, il y a des techniques. Le fouilleur de charnier est dans la position de celui qui découvre en premier un meurtre. Le fouilleur de charnier est dans la position de celui qui doit en même temps dégager le corps de la victime, ou plutôt des victimes, et ne rien toucher. Si le fouilleur de charnier n'est pas parfaitement formé pour ce travail, il risque de devenir un lecteur qui verrait s'effacer, alors même qu'il les déchiffre, les traces d'un meurtre. Le fouilleur de charnier découvre à la fois le cadavre de la victime et très souvent le corps du délit du crime. Par exemple, les balles, si la victime a été tuée par balle. Mais tous les objets qui entourent la victime dans le charnier ont une valeur juridique, car ils peuvent servir à la reconstitution du crime et du contexte dans lequel le crime a été commis. En conséquence, la responsabilité du fouilleur est énorme. C'est comme ça que je suis arrivée en Bosnie, pour faire le travail de psychologue auprès des équipes de fouilleurs de charniers. Et je suis devenue une fouilleuse de charniers. Moi, Kate Mainoil, je devrais avoir honte. Je n'ai pas revu ma famille depuis 6 mois déjà. Et je n'ai pas le temps de trop penser à eux, parce que dans ma vie, il y a maintenant une autre urgence. Fouiller les charniers de la Bosnie, au nom des États-Unis, des alliés, de la civilisation occidentale, de l'ONU,
de la justice, de la vérité, de la mémoire et de l'avenir. C'est lourd à porter tout ça sur tes épaules, Kate Maynol. Mais tu ne pourras plus jamais retrouver ton calme si tu ne comprends pas pourquoi. Kate, je veux me faire avorter. Je ne veux pas attendre. Je suis sale. Je suis sale avec ce fœtus en moi. Kate, je ne veux pas qu'il commence à bouger. Il bouge déjà. Je le sens. Je sens comme il pousse. Et je ne veux pas. Je veux qu'on me débarrasse de ça. Ton ventre, c'est un charnier, Dora. Quand je pense à ton ventre, je vois un charnier plein de cadavres séchés, ou bouffis, ou pourris. Et de son charnier, dans ce charnier, voilà quelqu'un qui bouge. Un être. Parmi tous ces morts, il y a un être qui demande qu'on le sorte de là. Je ne te laisserai jamais tuer cet enfant, Dora. Je suis venue dans ton pays pour apprendre à ouvrir des charniers. Et chaque fois que j'ouvrais un charnier, je le faisais avec l'espoir bête qu'il y avait encore un survivant. Cet enfant est un survivant, Dora. Et il faut le sauver. Le tirer de là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut le tirer du charnier. Comment te dire, Dora? Que la nature a peur du vide. Que les lois de la nature n'ont rien à voir avec les pulsions de la barbarie humaine. Voilà, ton bébé, c'est un garçon. Comme toujours, après la guerre, il y a plus de garçons que de filles qui naissent. La nature, Dora, se moque des salauds. Elle poursuit son œuvre malgré eux. Et son œuvre reste, comme toujours, mystérieuse et pleine de beauté. Je vais partir bientôt, Dora. Je retourne chez mes enfants. Chère Kate, je ne sais pas très bien ce que je vais faire maintenant. J'ai déposé des demandes d'immigration auprès des ambassades de plusieurs pays. Le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud. Les États-Unis, je n'en veux pas. Mon bébé va bien. Il pèse maintenant 6 kilos. Lorsque tu m'as appelé la dernière fois, tu voulais savoir dans quel moment j'ai vraiment pris la décision de le garder. Je vais te raconter ce moment. Un jour après ton départ, je suis sortie me promener au bord du lac. Je me promenais et je regardais l'eau et les arbres. Et tout d'un coup, il y a eu un écriteau fixé sur un arbre qui a attiré mon attention. Je me suis rapprochée et j'ai lu le texte suivant. Nous vous informons que cet arbre est mort. Il sera abattu dans la semaine du 2 au 8 avril. À sa place, il sera planté tout de suite, pour votre joie et bonheur, un jeune arbre. Signé, le service des parcs et des jardins. J'ai lu ce texte une fois, deux fois, plusieurs fois. Et c'est alors que j'ai décidé de garder mon enfant. Je t'embrasse, Dora. Merci. Merci, Nathalie, pour ce texte. On va laisser un peu de temps peut-être à Nathalie
sur ces émotions. Je vais désormais appeler Matej Wisniewski qui est dans les parages. Voilà. Matej Wisniewski, bonsoir. Bonsoir, je suis là. Merci de nous faire l'amitié de participer à cet événement avec nous à l'Institut français de Madrid. Merci beaucoup d'avoir répondu favorable. Donc, on peut peut-être prendre les questions. Je ne sais pas, enfin, voilà, si les spectateurs ont des questions, n'hésitez pas à écrire vos questions. Et moi, je vais essayer de faire un petit résumé des différentes questions. Pour Nathalie ou pour Matej Wisniewski. Moi, je vais peut-être déjà commencer. Matej Wisniewski, c'est vrai que Nathalie a décidé de choisir des fragments, des morceaux de ce texte-là. Que pensez-vous de cette coupure, peut-être, de ces fragments? Qu'est-ce que, voilà, enfin, que vous pensez, finalement, de cette actuation, du texte? Oui. Mais justement, je voulais lui remercier parce que en 30 minutes, elle nous a fait vivre une page d'histoire terrible de l'Europe, en effet, avec beaucoup d'émotions, avec un rythme à la fois, comment dirais-je, avec une intensité, avec deux personnages joués parfaitement, avec le bon accent pour la femme bosniaque. Donc, on a tout compris. Je suis vraiment émerveillé. Le sujet, il est dur. Il faut se rappeler que non, la guerre en Bosnie, ça a commencé en 1992. Il a duré pendant 4 ans. C'est une époque terrible où l'Europe a vacillé un tout petit peu. Il avait tous les ingrédients d'une troisième guerre mondiale là-bas. Heureusement que l'Europe était un peu mieux organisée. Et puis à l'époque, j'étais très, très marqué par ce conflit parce que c'était une manière de sortir du communisme terrible, disons, par la guerre, par une forme d'épidémie terrible sur le nationalisme. Il ne faut pas oublier que le nationalisme peut être aussi une épidémie qui fait des ravages. Alors j'écris ce texte parce qu'il avait les premières informations qui tombaient en 96 sur les femmes violées en masse. Bon, très nombreuses femmes violées pour des raisons justement ethniques et guerrières, pour déstabiliser l'adversaire. Donc c'était une forme de barbarie absolument surprenante au milieu de l'Europe, à 2 heures d'avion de Paris, de Berlin. Et puis oui, merci encore une fois de révéler, Nathalie, les facettes de ce texte et son actualité, parce que malheureusement, la barbarie est toujours présente. On n'arrive pas à l'effacer de l'histoire de l'humanité. Elle prend des formes nouvelles parfois. Donc, revivre cette page avec une telle émotion, pour moi, c'est un cadeau. Mais ça fait réfléchir sur un mot. Et puis, voilà, parlons de ça, si vous voulez. Merci, merci, Matej. Nathalie, une petite question. Du coup, le choix de ce dialogue finalement entre ces deux femmes, parce que c'est vrai que l'œuvre du coup a dû être coupée pour les conditions qu'on connaît actuellement. Voilà, est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu ton choix justement artistique de faire ça comme ceci? Alors, c'est toujours très dur pour nous de couper parce que, enfin, j'invite. En fait, c'est un apéritif pour que les gens, j'ai invité les gens à lire la pièce en entier. Parce qu'il y a d'autres passages dans la pièce qui sont franchement merveilleux. Mais bon, comme il fallait faire une synthèse, en fait, j'ai essayé, mais bon, c'est un choix, hein, c'est pas forcément le meilleur choix, je sais pas, mais j'ai essayé, disons, de faire une synthèse comme moi je vis la pièce, disons. Et donc faire un peu... qui est un voyage, quoi, qui est un peu comme il y a dans la pièce, sauf que dans la pièce, il est beaucoup plus étendu et beaucoup plus riche. Mais bon, bah, faire un peu en petit le voyage de la pièce, mettons. Voilà. Dans la pièce, il y a que ces deux personnages, hein, il n'y a pas plus de personnages. Et bon, j'ai vu que bon, ça aurait été vraiment dommage de sacrifier un des deux, parce que je pense que
justement, c'est un peu comme les d'abord ces deux femmes, mais ces deux femmes très différentes. Une qui représente l'horreur de ce qu'elle a vécu et qui vient de Bosnie, et l'autre qui vient d'Occident, donc qui vient d'un autre monde, et qui se retrouve plongée dans cette horreur qui, en travaillant le texte, pour moi un peu c'est comme si l'autre était un peu fini par être un peu dépassé, quoi, parce que c'est tellement terrible de vivre tout ça que, enfin, et c'est ce que dit le texte plusieurs fois, c'est comme s'il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas d'explication, c'est l'horreur de la guerre. Et voilà, et pour moi, c'est pour ça que la fin, je la justifie de la part de Kate quand elle pousse Dora à garder son enfant, ce qui est quand même très fort, hein, parce que c'est un enfant issu de la violation. Par rapport à ça, par rapport au contraste avec l'horreur de la guerre, c'est... de la destruction, quoi. C'est la vie face à la destruction. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je crois que je me suis un peu... Patrick, quelque chose à répondre peut-être que je vais peut-être lire quelques commentaires du coup, qui nous parviennent de la part des participants. Donc, un grand moment d'émotion. Tu es génial, Nathalie, bravo. On dit également, Kiko Herrero dit que cela aurait pu se passer également en Espagne pendant la guerre civile, charnière, oui, après l'histoire tourne. Bah d'ailleurs, là maintenant, ils sont en train de rouvrir les fosses et tout ça. C'est pas une vraie bière. Hein. Comment? C'est pas une vraie bière, très bien. Pas très élégant. Félicitations Nathalie pour cette interprétation incroyable. Vous avez su nous montrer parfaitement la grande émotion que provoque l'œuvre. Bravo et merci. Jean-Paul, notre directeur qui nous regarde, dit bravo et merci, voilà, à tous les deux. Voilà. Est-ce que les gens ont des questions à poser sur l'œuvre, sur la jeunesse de l'œuvre, sur l'actuation comme ça également en ligne, qui est toujours assez compliquée également, parce que c'est vrai que maintenant on peut retourner de plus en plus dans les théâtres, donc ça n'est pas forcément dans certains pays, dans certaines régions. Mais c'est vrai que qu'est-ce que vous en pensez, vous, Matthieu Wisniewski, par exemple, de ce système d'activité comme ça en ligne, les lectures en ligne, concerts en ligne, choses comme ça. Est-ce que vous avez votre point de vue là-dessus, du coup, ce nouveau format artistique? C'est assez surprenant, mais à la fois, la technologie nous aide à communiquer peut-être plus qu'avant, Je préfère bien sûr le théâtre à l'ancienne, mais non, pendant le confinement, on a découvert que heureusement qu'on avait l'Internet et cette technologie qui nous fait quand même dialoguer, échanger. Donc, même si un jour, je ne sais pas, le virus, dans 6 mois, dans 2 ans, il va disparaître, ce type de dialogue ou de lecture, c'est à garder. Comme principe, comme manière de proposer un rassemblement de 30 minutes des gens de tous les horizons. Déjà, la langue française, c'est un réseau très fort. Moi, je suis né en Roumanie, comme vous le savez. Je suis arrivé en France à cet âge, j'avais 30 ans, donc j'ai adopté la langue française comme une langue d'écriture, comme une deuxième langue. Mais, par exemple, cette pièce, je l'ai écrite en français. Et j'ai découvert aussi, grâce à la francophonie, une sorte de tout un monde qui s'ouvrait à moi grâce à la langue française. D'ailleurs, cette pièce, par exemple, elle a été traduite dans une vingtaine de pays. Elle a été montée pas mal du français chaque fois. Elle a été montée aussi dans des pays assez éloignés, par exemple le Japon, le Brésil. Donc là, j'appréciais beaucoup ces mots, la personne qui dit ça aurait pu se passer en Espagne pendant la guerre civile. Oui, ça aurait pu se passer aussi en Afrique, au Congo, ailleurs, en Allemagne au moment de l'arrivée des troupes soviétiques, bien sûr ailleurs dans l'Union soviétique occupée. Les guerres, il y a quelque chose, une sorte de dimension commune à toutes ces guerres. La barbarie est là et très souvent, c'est les civils et les femmes qui souffrent le plus. Par exemple, ces guerres, les deux guerres mondiales, par exemple, statistiquement, pendant la Première Guerre mondiale, à 90%,
les victimes étaient des soldats en uniforme. Voilà. Donc, on peut dire encore que, bon, il y avait des soldats qui se battaient. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est 50% des victimes soldats en uniforme, 50% des civils. Donc, c'est une guerre atroce, je dirais, presque contre la nature de la guerre, où on s'attend à ce que des soldats se battent entre eux sur un champ de bataille. Les guerres plus récentes, par exemple la guerre en Bosnie et d'autres conflits civils, c'est 90% des victimes civiles et 10% des soldats en uniforme. Donc voilà une courbe de la barbarie, et c'est presque à regretter les bonnes vieilles guerres d'autrefois où il n'y avait que les soldats qui se battaient et les civils ne souffraient pas. Bon, je dis ça entre guillemets. Voilà pourquoi ce cri d'alarme que je lance avec cette pièce. J'ai écrit plusieurs pièces d'ailleurs où je parle un petit peu de ces rapports Est-Ouest. Parfois, on parle très souvent de l'Orient compliqué, mais l'Europe de l'Est aussi est très compliquée. Si on commence à creuser dans l'histoire des nationalités, des communautés dans les Balkans, c'est vraiment un labyrinthe terrible. Et j'ai essayé dans cette pièce donc, d'aider le spectateur, le lecteur, à entrer un petit peu dans l'histoire compliquée de ce peuple. Donc c'est aussi une invitation à découvrir l'autre Europe, on l'appelait comme ça, mais qui est notre Europe en effet. Ok, merci Mathieu Wisniewski. On demande également, Kiko Hero demande, comment vous avez réussi à vous mettre dans la place de ces deux femmes? Parce que parfois on reproche justement aux hommes de parler à la place des femmes. Comment vous, Mathieu Wisniewski, avez-vous réussi à faire cela? Je crois que la littérature permet ça. La littérature permet du mal ces hommes dédiés. On a perdu. Alors, ça a coupé. Peut-être qu'il faudrait. Beaucoup aussi. Est-ce que vous nous entendez, Mathéi? Peut-être qu'il sort. Ouais. Et qu'il je crois que vous sortiez et vous remettez dans le lien, peut-être, si vous m'entendez. Attendez. Ah. Je vais. Ça va? Non? Non. Ah, c'est bon. Ça y est. Deux, trois. On retrouve. Moi, je vous. Est-ce que ça va en ce moment? Oui, très bien. Parfait. Merci beaucoup. D'accord. Bon. Je recommence. Il y a une seule phrase que je voulais dire et plaider pour elle. Un auteur, un écrivain peut se permettre de voyager dans la peau de ce personnage, que c'est des femmes, que c'est des hommes, que c'est des enfants, que c'est des vieillards, que c'est des personnages positifs, négatifs, que c'est des nazis, des barbares, des défenseurs du droit de l'homme. Donc l'auteur peut faire ça. C'est dans la nature de la littérature de voyager, de plonger aussi dans la peau du personnage d'une grande diversité. Bien sûr, on le fait ça après une certaine documentation. Je me suis beaucoup documenté à l'époque où j'ai écrit cette pièce. J'avais beaucoup lu des personnages, j'avais vu des reportages, des films, j'avais beaucoup écouté, lu, et finalement j'écris ça parce que voilà, ça venait aussi de l'intérieur. Je suis né dans un pays qui est à côté, qui a un esprit balkanique très fort, donc c'est un sujet qui me touchait profondément. Donc j'ai parlé d'une certaine manière de l'intérieur. Merci beaucoup. Alors, on dit, je suis ravi de retrouver vos Zoom lectures. Merci à tous de rendre ce moment possible. Merci à vous d'y participer. Un grand bravo pour l'interprétation. Impressionnant. Très belle lecture, on me dit. Donc, encore merci à tous. Merci à toi, Nathalie. Merci à vous, Mathieu Wisniewski. Je voudrais simplement dire quelque chose par rapport à. Je suis comédienne, hein, donc évidemment j'adore le théâtre. Et pour moi, simplement par rapport à l'online, parce que simplement que je pense que ce n'est pas du tout substitutif du théâtre. Au contraire, je pense que le théâtre, de toute façon, j'espère en tout cas que
vivra toujours. Enfin, il survivra toujours. D'ailleurs, quand il y a eu le cinéma, on pensait que c'était la fin du théâtre, et en fait, pas du tout. Et pour moi, c'est complémentaire, ceci. C'est comme c'est un autre langage. Et ce qui est intéressant pour moi de faire du travail online, à part que c'est un autre langage entre le cinéma et le théâtre, c'est quand même intéressant, qu'on a la possibilité justement d'après pouvoir parler avec l'auteur, comme dans ce cas, Matej. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, Matej, d'ailleurs. Vous êtes où maintenant? Je vous entends. Vous êtes où? Dans quel pays? La question, ça s'adresse à moi? Oui. En France, je suis toujours journaliste à RFI où je travaille encore comme journaliste. Donc voilà, je vis de mon travail de journaliste et d'auteur. Et puis je regarde comme journaliste les malheurs du monde. Et parfois, l'auteur qui est à moi s'empare de certains sujets pour les développer au théâtre ou enfin sous forme littéraire. Parfois, je suis même frustré qu'en tant que journaliste, je ne peux pas intervenir sur le. Pour les guérir, parce que voilà, on transmet l'information, mais par contre, en tant qu'auteur, je peux parfois faire plus, c'est-à-dire essayer d'envoyer des messages émotionnels pour sensibiliser l'opinion publique autour des sujets qui sont très, 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 très importants. Voilà, très souvent, l'actualité a fait partie de mes pièces, mais au théâtre, on traite autrement l'actualité. Bien sûr, ce n'est pas l'information pour moi qui prime lorsque j'écris une pièce de théâtre, c'est l'émotion qui doit transporter l'information. Parce qu'autrement, rien ne reste que l'information, disons, brute. Mais informer par des personnages crédibles, ça, ce n'est pas facile aussi. Il faut bien convaincre. Il faut que les personnages soient crédibles. Comme, voilà, cette lecture a été extrêmement crédible, très crédible. Merci. Ben voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est le plaisir de pouvoir parler avec vous qui êtes en France. Peut-être qu'on aura des auteurs qui sont, je ne sais pas moi. Oui, qui sont ailleurs, exactement. Merci. Et, ah oui, qui sait, un jour. Et de la même manière pour les participants. Enfin, je veux dire, c'est la possibilité aussi pour les gens qui le voient de voir. Et ça, je trouve que c'est génial, quoi. De voir de n'importe quel coin du monde. Non, c'est ça, puis la francophonie, enfin, oui. Peut vraiment intéresser tout le monde. Enfin, voilà, on pourrait très bien être vu aujourd'hui par des Français, par des Belges, sur le continent africain, en Amérique latine. Enfin. Ah, mais on l'est. J'ai des amis belges, je crois, qui sont en train de le voir. Parfait, bonjour à eux. On me demande quels sont les prochains projets de Matej Wisniewski et de Nathalie Pinault dans un futur proche ou moins proche. Allez-y. Je peux vous montrer mon dernier livre qui vient de sortir. Ah. C'est un texte qui s'appelle... On ne voit pas bien. Ah. Oui, on ne voit pas trop bien. Je peux dire, voilà. Du paillasson considéré du point de vue des hérissons. Voilà. C'est une pièce, des monologues, des dialogues sur la folie du monde. On pourrait appeler ce texte « Scène de la folie et de la tendresse ordinaire ». Donc je vais vous faire découvrir ça, je vais vous envoyer ce texte, et puis sait-on jamais, on peut encore imaginer des moments comme ça ensemble. Mais pour moi, c'est un plaisir de voir, comme je n'ai jamais été comédien, je n'ai jamais été metteur en scène, voir qu'un comédien s'empare à fond avec émotion de l'un de mes textes, c'est comme une démonstration que je ne me suis pas trompé, que la matière était là pour suggérer, créer, inciter à des degrés d'émotion comparables à ce qu'on a vu et entendu aujourd'hui, Nathalie. Oui, merci. Pour moi, c'était une grosse responsabilité, c'est vrai. D'abord parce que je trouve que le texte est merveilleux, et puis par rapport au thème aussi. Ah oui, alors la question. Oui, Nathalie Pinault, oui. Moi, si tout se passe bien, si la situation le permet, normalement, du 14 octobre au 8 novembre, je suis à la salle Maria Guerrero de Madrid avec un super projet, un texte de Juan Mayorga qui s'appelle El Chico de la Última Fila. En français, ils ont fait un film qui s'appelle Dans la maison autour de ce scénario.
avec un directeur merveilleux, Andrés Lima, et bon, enfin, c'est super. C'est, le casting est super, c'est génial. J'espère qu'on va pouvoir le faire. J'espère qu'on va pas nous reconfiner et qu'on va pouvoir le faire. On a hâte de venir te voir au Mané Guerrero, du coup. Oui, oui, vous êtes à côté, vous, en plus. Nous sommes juste à côté, tout à fait. Tout à fait. Du coup, vous dire également que la prochaine lecture d'un baptisé aura lieu le 14 octobre, avec une lecture de L'étranger d'Albert Camus par Habibi. Donc, on a hâte, dans un mois, un peu moins d'un mois, donc cette nouvelle lecture, donc ce cycle mensuel que nous avons, commencé en période de confinement et que nous continuons, parce que du coup, on a des activités en présentiel et on continue une forme hybride d'activité. Parce que justement, comme tu disais, Nathalie, ces lectures-là ne remplacent pas le théâtre, finalement. C'est vraiment quelque chose qui complète, le complémentaire, je pense, au théâtre et au retour dans les salles. Donc, c'est ce que nous essayons également de faire à l'Institut français à Madrid. Donc, c'est pour ça que nous pouvons retrouver des lectures dramatisées à partir du mois prochain. Écoutez, merci à tous les deux. Merci, Mathieu Bisniak. Merci, Nathalie Pinault. Merci à tous de répondre au présent, d'être nombreux à nous écouter. Et à très vite à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.